Déjà le sentiment. Enfin, qu'est-ce que ça fait d'avoir Sam Bennett, un sprinter de classe mondiale, dans l'équipe? C'est clair que ça change, l'équipe a changé pas mal de politique, on était beaucoup axé sur les classements généraux et du coup maintenant voilà, on a Sam, il a gagné les plus belles courses du monde au sprint, donc voilà c'est nouveau pour nous, j'ai un nouveau rôle aussi sur certaines courses avec lui, donc voilà c'est un réel plaisir de l'accompagner et pouvoir aller chercher de nouvelles victoires avec lui. Et comment c'est de travailler avec lui? Il est super calme, vraiment posé et tout. Et hyper, il récompense vraiment ses coéquipiers, c'est quelqu'un vraiment de posé et voilà, ça donne envie d'aller chercher la victoire demain avec lui. On sait que c'est toujours un travail difficile de mettre en place un train, de se coordonner. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ce dispositif a été mis en place? Ouais, bah chaque arrivée est un peu différente en fonction du profil de la course. Voilà, on est encore avant le Tour de France un peu en. Il n'y a pas tout le monde sur le Tour de France dans le train de Sam Bennett sur le Dauphiné. Donc voilà, on est en train d'aller chercher les petits détails pour aller chercher une victoire comme demain. Donc voilà, on essaie de mettre des trucs en place. J'espère que peut-être demain, je serai peut-être un peu plus devant avec Oliver Nassen et pendant le final. C'est des routes que je connais bien, comme j'habite pas loin. Donc ça peut être un atout pour le final. Il vous a appris des choses? Ouais, bah c'est sûr que j'avais pas trop l'habitude de faire des sprints massifs en gros comité, on va dire. Donc voilà, c'est assez nouveau et on essaye de donner le meilleur pour lui. Juste une petite dernière chose, est-ce que ça vous a servi un peu aussi? Vous avez parlé d'une équipe qui était plus focus sur les classements généraux. Vous avez gagné des beaux sprints cette année. Est-ce que justement la mentalité dans l'équipe n'a pas un peu changé et ça vous donne aussi plus de terrain à vous pour vous exprimer? Ouais, c'est sûr, bah, ça m'a permis aussi de m'améliorer. J'adore analyser aussi les sprints sur Eurosport après avec Jackie. Donc voilà, j'aime bien regarder les replays et c'est comme ça que je m'améliore aussi sur les sprints. Merci beaucoup, Dorian. Merci.